الحمد لله كثيرا وسبحان الله وكثير العاصمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة والدين. فأما بعد، هذه مناسبة نتذكر فيها أصل ديننا. Ce moment est un moment de remontée spirituelle vers les fondations de l'islam et qui remonte au-delà de la période du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui remonte jusqu'à la tradition d'Abraham lui-même. Donc le salafisme, en tant que retour, ne s'arrête pas à l'époque des troisièmes ou bien des trois premières générations de l'islam. Le salafisme, c'est une notion qui stipule qu'il faut se référer à l'exemple du prophète, première génération, sahaba, deuxième génération, tabi'in, et leurs disciples. Une génération archétype. L'ajyal al-thalath. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam stipule que les meilleures générations de l'islam se trouvent dans cette proximité historique par rapport à la révélation. Bien sûr, c'est une époque référence, mais une référence qui tire sa légitimité dans une référence plus lointaine, qui est la tradition d'Abraham. Et donc l'islam, c'est un retour. Un retour vers le monothéisme initial et primordial, celui d'Abraham. L'islam est la seule religion, parmi les religions monothéistes, qui commémore la tradition abrahamique à travers une fête canonique, la fête du sacrifice, pour souligner son caractère abrahamique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il suit cette tradition. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. On reviendra sur la notion de l'hanifiyya, qui est un concept clé. Al-Hanifiyya mustalah murakkaz ذو أبعاد كثيرة سنفصل بعضها. Je suis obligé d'alterner entre le français et l'arabe pour ne pas ennuyer les arabophones ni les francophones, pour vous tenir en suspense. قل صدق الله. Dieu dit la vérité. Dieu dit vrai. Mais la question qui se pose, ce n'est pas la vérité de Dieu. Est-ce qu'on sait que Dieu dit vrai? La question qui se pose pour nous autres, comment recevoir cette vérité, l'interpréter et la mettre en œuvre ici et maintenant? Et donc la vérité qui sollicite la quête de la vérité. On va voir que le Hanifiyya, c'est un processus de quête de la vérité dans la vérité qui atténue le fanatisme et l'extrémisme comme processus arrêté de la connaissance. Il n'y a pas de certitude, il y a des convictions. L'aqida aslan, la croyance, ce sont des convictions. Mais la certitude est quelque chose vers laquelle on tend de manière constante, comme il l'a fait Ibrahim alayhi salam, عندما طلب لربه أرني كيف تحيي الموتى وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ليكون من الموقنين. C'est une marche vers la certitude. Dieu donne des signes à Abraham afin qu'il marche vers justement la certitude. Mais c'est une certitude inatteignable et on ne peut pas l'atteindre définitivement parce que Dieu est absolu. الحق هو الله. La vérité, c'est Dieu. Mais personne ne peut prétendre
avoir mis la main sur Dieu. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. On ne peut pas cerner la vérité de Dieu, qui est la vérité ultime. Donc, le retour à la tradition d'Abraham, c'est partir d'une vérité pour chercher la vérité. قُلْ صَدَقَ اللَّهِ. فَاتَّبِعُوا. Suivez. Et donc, il y a une marche. Suivez la religion d'Abraham. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. C'est un ordre à destination du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, ses compagnons et tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. Le fait de suivre, c'est marcher. Ce n'est pas imiter bêtement. Al-ittiba, laysa huwa at-taqlid. Le fait de suivre les traces suppose une quête, un effort de compréhension et un effort moral et spirituel en même temps. Il n'y a pas de panurgisme. On n'est pas des moutons de panurge. Parce que tout le monde est responsable de ses propres choix. Le jour du jugement dernier, les gens seront jugés individuellement. Ce n'est pas par communauté, ni par nationalité, ni par religion. Chacun doit assumer sa responsabilité dans le processus, justement, qui consiste à suivre les pas d'Abraham, d'Ibrahim alayhi salam. Hanifa, al-Hanif, le Hanif, c'est quelqu'un qui est en quête de droiture. Le Hanif, c'est en quête de droiture. Yataharra al-Istiqama, al-Hanif, man yataharra al-Istiqama. Il tend vers la droiture, en permanence. Il ne suffit pas d'être musulman pour être dans la droiture, on le voit très bien. Il y a beaucoup de musulmans qui sont très loin de la droiture. Il ne suffit pas d'être musulman, de connaître la profondeur de l'aqida. Ça demande une recherche. Le musulman, ce n'est pas une identité fixe, mais une existence en marche. Fattabi'u millata Ibrahima Hanifa. Al-Hanif également veut dire celui qui s'incline. Yamil. من الشر إلى الخير ومن الباطل إلى الحق ومن الضلال إلى الهدى. Il sort du lot, le Hanif. Il n'est pas dans le suivisme. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. Ce que le Coran récuse chez les polythéistes, c'est qu'ils ont mis leur raison veilleuse et ont préféré réfléchir par la raison des ancêtres. Un faux salafisme, un faux suivisme, une fausse démarche. La vérité est derrière nous, mais elle est devant nous également. Et donc, le Hanif, c'est celui qui sort d'une tradition qui éloigne de la vérité d'Abraham. Parce que, en matière de vérité, il n'est pas forcément devant nous. Le progrès ne touche que la technique, l'organisation technique d'une société. Mais la vérité, il n'est pas forcément devant nous, la vérité de Dieu. On l'a laissé derrière. Le Hanif, c'est celui qui renoue avec la tradition primordiale. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Le Hanif, c'est celui qui se réconcilie avec sa prime nature qui est le fitra. Parce que tous les êtres sont nés croyants. C'est l'éducation, c'est le suivisme, c'est l'idéologie qui a fait que les gens se sont aliénés. Et donc la vérité, elle est en nous déposée dès le départ. Donc le retour à la tradition d'Abraham, c'est une quête. Et donc l'avenir est dans le passé, d'une certaine manière. Le progrès spirituel, métaphysique et moral n'est pas forcément devant nous. On l'a laissé peut-être derrière nous en négligeant ce retour vers la tradition d'Abraham qui intègre la réflexion dans le processus de la foi. Quand on veut inculquer la foi et les pratiques à nos enfants, il faut introduire ce qu'Abraham a introduit, c'est-à-dire le raisonnement. Arini kayfa tuhyi al-mawta. Montre-moi comment tu ressuscites les morts, a-t-il demandé à Dieu lui-même. Donc le dalil, ce n'est pas dans l'ordre de Dieu,
de croire en la résurrection. Le délit, c'est l'intention de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a dit, montre-moi comment. Il ne suffit pas de croire et se conformer à l'ordre. Encore faudrait-il comprendre l'intention de Dieu derrière la lettre du commandement. L'islam en tant que religion ne peut prospérer qu'à travers l'intellection et la recherche spirituelle intellectuelle de la vérité à l'image d'Abraham. C'est l'exemple, c'est l'archétype de quelqu'un qui n'a pas cessé de chercher la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, « Waqur Rabbi Zidni Ilma », le prophète qui reçoit la révélation, il demande à Dieu de lui donner le savoir. Il n'a pas demandé à Dieu « Waqur Rabbi Zidni Wahyan ». Il n'a pas demandé une révélation en plus. Il a demandé un savoir. Parce qu'on peut avoir la révélation sans le savoir. On peut avoir la vérité, mais sans le processus d'accéder à la pertinence de la vérité. Ce n'est pas le fait de courir derrière le mouton et dire, voilà, j'ai suivi l'exemple d'Abraham, j'ai égorgé le mouton. Mais tu n'as pas égorgé ton ego. Tu n'as pas égorgé ton ignorance. C'est ça le problème. Il faut sacrifier l'ignorance. Il faut sacrifier l'immoralité. C'est ça le symbolique. Or, on a laissé l'esprit et on court derrière la chair. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَعُهَا. Ce qui va atteindre Dieu, ce n'est pas la viande et le sang du sacrifice, mais taqwa, c'est-à-dire la rectitude de la pensée, de l'agir et de la spiritualité. On est très loin de notre religion quand on commence à chercher un petit peu. On pense qu'on est dans la vérité, mais on se contente d'une appartenance floue, une identité, un égocentrisme hypertrophié et qui utilise Dieu pour renforcer l'ego. Il ne s'agit pas d'être supérieur ou inférieur par rapport aux autres. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est la conformité et la marche vers la vérité. Comme le faisait Ibrahim, cette réconciliation avec soi-même. C'est-à-dire l'absence de violence. La violence est née de l'aliénation, c'est-à-dire une interprétation, une pratique d'une religion qui crée une violence mentale qui passe à la violence familiale, physique, sociétale, jusqu'au terrorisme qu'on voit aujourd'hui, des gens qui sont capables de tuer des gens au nom de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de ses victimes pour qu'on glorifie l'unicité? Un islam dévoyé par manque de culture, par manque justement d'efforts pour suivre les traces d'Ibrahim alayhi salam. Quand il a vu dans le rêve qu'il allait sacrifier son fils, il n'a pas exécuté l'ordre mécaniquement. Il a consulté son fils. Je vois dans le rêve que j'étais en train de t'immoler. Donc il entre en discussion, il veut comprendre. Il voit dans le rêve, d'abord ce n'est pas une révélation, il voit dans le rêve qu'il est en train d'immoler. Il ne voit pas dans le rêve qu'il a reçu un ordre d'immoler. C'est une vision, simple vision. Il voulait comprendre. Et donc ce n'est pas interdit de chercher. Ce n'est même pas interdit de se tromper. Ce qui est interdit, c'est la satisfaction et le fait de ne plus chercher la vérité. C'est-à-dire, مصيبة العظمى أن يستقر الإنسان وأن يفرح بجهله وأنه يظن أنه عالم وبالطبع الجاهل لا يعلم أنه جاهل لأنه يجهل ما يجهل إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم يعلمون جهلهم بالله. L'humilité, c'est un critère que nous ne trompons pas. L'humilité, la générosité. Parce que le sacrifice, c'est se priver pour donner. Deux concepts que nous ne trompons pas et qui donnent la valeur à nos pratiques. L'humilité et la générosité, le sacrifice comme un don gratuit. Voilà quelques éléments qui nous rappellent un petit peu la tradition qu'est le fitra,
وهي الحنيفية السمحة. الإسلام الواسع، الحنيفية notre religion est une religion large, n'est pas étroite. Il y a une marge de manœuvre à l'individu de se constituer dans la divinité. Une marge de manœuvre qui est donnée à l'individu pour ne pas l'angoisser, parce que le but de l'Iman, الذي جاء به إبراهيم, c'est une foi qui vous donne une marge de manœuvre de croire. أنا عند ظن عبدي, je suis à l'image de ce qu'on pense de moi, mon serviteur. Donc il y a une marge de manœuvre de se constituer. La vérité t'a été donnée, mais tu dois te construire par rapport à cette vérité. Non, صلى الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. نصلي ثم بعد ذلك تكون يكون دعاء كخطبة رسمية, لأن هذه ليست خطبة رسمية, لأن الخطبة تكون بعد الصلاة, والخطبة التي تكون بعد الصلاة ستكون على شكل دعاء, ثم نتفرق بعد ذلك وتقبل الله منا ومنكم, قوموا إلى صلاتكم. بركات المحصيلة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت, تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا, وما أسررنا وما أعلنا, وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد, وتقبل الله منا ومنكم.